jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Des slogans de la colère et la Marseillaise pour ce quatrième week-end de mobilisation des Gilets jaunes à Lille. Dans les rangs, des ruraux, des urbains, des jeunes, des infirmières et des salariés qui enfilent pour la première fois un gilet jaune. Le ras-le-bol, c'est le pouvoir d'achat. Le ras-le-bol, c'est bien, les taxes, c'est bien, mais augmentons le pouvoir d'achat avant tout. 300 balles sur le SMIC. Et je pense déjà que ça va calmer tout le monde, déjà. Il dit, on va vous aider à acheter une voiture avec de l'énergie électrique, alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas de l'aide. Ce qu'on veut, c'est gagner assez pour pouvoir se le permettre par nous-mêmes. Macron, casse-toi ! En écho aux lycéens de Mantes-la-Jolie, symboliquement, les manifestants mettent genoux à terre, une manière de défier le chef de l'État. Il est où ? Il fait quoi pour nous ? Rien. On en a marre de crever de faim. Il faut qu'il agisse. Maintenant, il y en a marre. La marche se veut pacifiste, mais parfois tendue. Des jeunes sont clairement là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les manifestants repartent finalement, encadrés par quelques syndicalistes venus prêter main forte au récent mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui pourrait être satisfaisant pour vous ? Moi, clairement, je pense que là, les gens ont envie de reposer les bases de la République. Donc, pour moi, il faut une nouvelle constituante, tout simplement. Après 2 heures à sillonner les rues, les Gilets jaunes ont rejoint la marche pour le climat et ses 3000 participants. Au-delà de nos différences, au-delà des préjugés, nos combats ne sont pas incompatibles. La transition écologique, elle ne pourra jamais se faire si elle ne s'accompagne pas d'une transition sociale. C'est pas normal que le prix de la transition écologique soit porté par les plus pauvres. Ce soir, retour au calme relatif à Lille, mais les Gilets jaunes restent mobilisés.